comme l'état de la route en fait. Ok. Tu vois? Encore plus la voiture, mais pas la route dégradée. Shalom à tout le monde, je suis le prophète Joël Grasso, le maréchal de la brigade anti-sorcier. Je vous présente brièvement la sorcellerie. La définition de la sorcellerie sort du mot lanceur de sort. Donc il n'existe pas de sorcellerie positive. C'est cela qu'au Moyen-Âge, les Occidentaux ont combattu la sorcellerie. Et ça a pris le temps que ça pouvait prendre, mais ça a pris 3 siècles. À partir du 15e, 17e siècle, ils ont combattu farouchement la sorcellerie. Ils sont rentrés dans le 18e siècle, appelé le siècle de lumière et de la révolution industrielle. Donc comprenez-vous qu'ils ont détruit les ténèbres en combattant la sorcellerie. Ils sont rentrés pleinement dans leur siècle de lumière. C'est cela qu'aujourd'hui, on peut les appeler les pays émergents, les pays développés. Le problème aujourd'hui de l'Afrique, c'est un problème de sorcellerie. Nous avons un problème d'ordre spirituel, qui est la sorcellerie, ce qui fait qu'aujourd'hui, nos cas ne peuvent plus aller dans leur région, dans leur village pour développer, parce qu'ils ont peur des sorciers. Parce que quand on a l'esprit de la sorcellerie, on détruit. Sinon, l'Afrique est un scandale géologique. Nous avons tout en Afrique. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous sommes comptés parmi le continent le plus pauvre. Malheureusement, je dis malheureusement parce que l'Afrique n'est pas pauvre en réalité. L'Afrique est très riche en sous-sol. Un continent pauvre, mais qui est combattu par tous les autres continents. Combattu par les Amériques, combattu par l'Europe, combattu par l'Asie. Ou bien en réalité, l'Afrique n'est pas pauvre, mais c'est le spirituel de l'Afrique qui est pauvre. Et c'est cette présence, la sorcellerie, qui fait qu'aujourd'hui, l'Afrique ne peut pas émerger. Mais je vous assure, là où il y a la présence de la sorcellerie, il est difficile d'émerger, il est difficile d'aller de l'avant. Preuve, quand il y a la sorcellerie, il y a la pauvreté. Ils ont détruit la sorcellerie chez eux, ils sont rentrés pleinement dans la richesse. Il y avait ce qu'on appelait l'inquisition. Il y avait un tribunal, on jugeait tous les sorciers, on prenait toute la confrérie, on les brûlait, on les détruisait. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous avons mis une brigade en place, qui est la brigade anti-sorcier, qui est dirigée par le maréchal, le prophète Joël Grasso que je suis, afin de pouvoir éradiquer la sorcellerie sur le sol africain. D'autres vont dire,
que c'est pas possible. Si c'est une vision qui est lancée, si j'ai pas pu achever l'œuvre, d'autres personnes continueront de faire l'œuvre, c'est une question de vision, c'est de démarrer. Pour nous, l'Afrique est importante, que l'Afrique émerge. Le dernier continent à connaître la gloire, c'est l'Afrique. À commencer d'abord à délivrer l'Afrique, si l'Afrique n'est pas délivrée, elle sera difficile de connaître et d'émerger. Et je vous amène à comprendre que, d'abord, pour avoir la victoire sur l'œuvre de la sorcellerie, il faut d'abord accepter Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur personnel. C'est le premier élément d'abord, c'est de l'avoir comme sauveur et Seigneur. Parce que lui seul, après sa résurrection, va déclarer dans Matthieu, le chapitre 28, le verset 18, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel comme sur la terre, je vous envoie. » Et ce qui est intéressant, c'est que le chrétien, le pouvoir du ciel et de la terre, ce sont les deux pouvoirs que le diable n'a pas. Le diable a le pouvoir de lier, il n'a pas le pouvoir de délier. Et quand vous lisez Matthieu 16, à partir du verset 19, il dit « Je vous ai donné la clé du royaume. » Alléluia. Et ça, c'est une grande bénédiction. La clé nous sert d'ouvrir les portes. Quand vous avez une clé, il peut avoir la clé du salon, il peut avoir la clé de la chambre, il peut avoir la clé des toilettes. Tout compte fait, c'est une clé et la clé sert à ouvrir. Donc, à l'église que nous sommes, Dieu a donné la clé d'ouvrir les portes. Les portes de la bénédiction, les portes de la grâce, les portes du succès, les portes, toutes sortes de portes de bénédiction, les écrits des cieux. C'est ça que vous lisez un peu dans Jacques. Dans Jacques, le chapitre 5, la Bible déclare que la prière fervente du juste est une grande efficacité parce que Élie était de la même nature que nous. Il va parler au ciel et le ciel a fermé. Il va aussi ordonner que le ciel ouvre les écluses et la pluie est descendue. Donc nous avons le pouvoir. Quand vous lisez un peu Matthieu 16, à partir du verset 19, tout ce que vous déliez sera délié et tout ce que vous liez sera lié. Donc, lorsque vous acceptez Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur, que vous marchez selon sa parole, que vous obéissez à la parole, vous avez le pouvoir sur le diable. Et en tant que maréchal de la brigade anti-sorcier, je m'avais dit aujourd'hui que tu as la victoire. Toi qui m'écoutes, tu as la victoire sur les œuvres, la sorcellerie. Pourvu que tu acceptes Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur. Parce que la Bible déclare que ce qui est en nous, ce qui est en toi, frère, est plus fort que ce qui est dans le diable et ce qui est dans le monde, c'est l'esprit du mal. Et toi, tu as vaincu le diable. Selon les gens, le verset 8, le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. C'est cela que je commande et j'ordonne que ton mariage soit libéré par les œuvres et la sorcellerie. J'ordonne à ton mariage d'être libéré. Je libère ton foyer maintenant même. J'ordonne aux sorciers de libérer ton foyer, de libérer ton épouse. J'ordonne à la sorcellerie de libérer ta maison. Si ta servante ou si avec quelqu'un qui est un sorcier et dans ta maison, je commande à cet esprit de quitter son corps. Et maintenant même, je libère ta maison au nom de Jésus. Que le feu du ciel descende pour consumer maintenant les œuvres de la sorcellerie et dans ta maison. Je commande, pendant que tu m'écoutes, dans ton service, il y a certainement des personnes qui se sont liguées contre toi. J'ordonne à ces esprits de la sorcellerie, parce que la sorcellerie est caractérisée par la jalousie, par la haine, par la calomnie. J'ordonne à ces esprits dans ton travail qui se sont ligués contre toi, oui, au nom de Jésus, de te libérer dans le nom de Jésus-Christ. Je libère ton service, je libère ton emploi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je libère ta fécondité, au nom de Jésus. Parce qu'il est écrit dans la parole, même la stérile enfantera cette fois. Dieu t'a créé pour dominer, pas pour que l'esprit te domine. Tu as été créé pour dominer. Alors je commande que ton promesse soit libérée. Je libère ton succès. Je libère ta bénédiction. J'ordonne maintenant que tous ceux qui sont assis sur le trône de ta vie, je les détrône dans le nom de Jésus. Je libère ta vie dans le nom de Jésus. Je les renverse. Écoute-moi. Il a failli que Saül meure pour que David prenne le trône d'Israël. Il y a des personnes qui ont besoin de tomber. Et pendant que je parle, dans ton service, dans ta maison, même dans ton village, tous ceux, les sorciers, dans le marché, partout autour de toi, les sorciers qui sont ligués contre toi, je les terrasse au nom de Jésus. Je les terrasse au nom de Jésus. Écoute-moi, c'est une parole prophétique. Saisis-la par la foi. Je te cède le trône de ta vie. Riolant de Shambababa. Je te sauve, je te trône, je te cède le trône de ta vie. Le trône de ta fécondité, de ton mariage. Au nom de Jésus, de ton succès. Au nom de Jésus, de ton foyer.
saisis et assois-toi. Je t'intronise maintenant. En qualité de prophète de l'Éternel que je suis, je t'intronise. C'est toi. S'il y a quelqu'un qui doit rester dans ta famille, c'est toi. C'est toi que Dieu a choisi. C'est toi que Dieu a choisi. Pas une autre personne, c'est toi. Je te déclare ceci. C'est toi. Que l'Éternel, ton Dieu, qu'on appelle Yeshua El Mashiach. Alléluia. Yeshua El Mashiach. Qui l'a choisi pour régner sur ta maison, pour régner dans ce travail, pour régner. C'est toi. Thank you.
là. Je vais prendre une photo. Je vais prendre une photo.